Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Last Campfire. On s'était laissé sur un choix du robot ouvrier et, tout simplement, je suis allé demander aux mécènes sur Discord et, tout simplement, je ne pouvais pas fermer le jeu, donc le sondage a été court et rapide. Donc, on va aller voir tout de suite en jeu ce qu'ils ont choisi. Et nos chers mécènes ont choisi le canard. Les bouts de bois et de métal étaient en train d'être transformés. Et ils nous demandent notre avis. Il nous demande de choisir entre l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Je me souvenais de la question, donc je l'ai également posée aux mécènes, puisque je rappelle, j'ai déjà fait le jeu. C'est aussi pour ça que vous me voyez résoudre les énigmes parfois sans trop réfléchir. Et les mécènes ont choisi le printemps. L'ouvrier avait presque terminé ce qu'il avait en tête. J'espère que ça va te plaire. Désolé, ce n'est pas parfait, mais il peut aller sur l'eau. Il peut aller sur l'eau. Et il nous a fait un joli bateau. Donc, comme on a choisi canard, il nous l'a fait canard. Et comme on a choisi printemps, il nous l'a fait vert. Sous le choc, Ember restait silencieuse. Eh ben, c'est super! Quel soulagement! Ça me fait plaisir! Je suis si content! Et il le met à l'eau. Est-ce que tu viens avec moi? Oh non! Je... C'est très gentil de ta part. Vraiment, je le ferais si je pouvais. Mais si tu vois d'autres braises, dis-leur de venir me rendre visite à l'ouvrier. Tu veux bien? Ember reviendrait si elle le pouvait. Et peut-être que l'ouvrier avait besoin d'un peu plus de temps. On va donc pouvoir utiliser notre tout nouveau bateau. Les mécènes ont du goût. Le bateau était assez original, mais Ember en était déjà amoureuse. Alors, il y a une petite chose par là. Ce qui nous permet d'aller ici et d'aller cueillir cette fleur. On a un lys blanc. Et il me semble pas qu'on ait encore vu où il devait aller. Mais on le verra très bientôt, donc on ne peut pas passer autrement. On va... Hop. Parfait. Donc on peut... Eh bien tout simplement sortir. On est de nouveau... du côté de l'ouvrier. Et on retrouve le feu de camp. Par contre, mon bateau est coincé de ce côté-là. Est-ce que je pourrais le mettre mieux ? Est-ce que si j'ouvre... Ah oui, je peux ouvrir tout simplement. Mettre mon bateau mieux. Au niveau
de là. Alors, on en est où? On est à 2 braises sur 100. Ici, on a tout fait. C'est là d'où on vient à travers l'eau. Ici, je peux complètement faire ça et me libérer le passage. Je peux monter ici. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Dans l'épisode précédent, en tout cas. Je ne sais plus si j'ai parlé. Ah, si, j'ai déjà parlé. J'ai vu quelqu'un qui te ressemble par ici. Très louche. À épier sans cesse. À t'observer. Oui. À t'observer. Surtout toi. Donc, on va grimper. On n'est pas encore allé par là. On a ici un squelette. Ember avait pitié du squelette, sans aucune fleur pour sa tombe. On peut donc mettre le lys sur sa tombe. Et ça nous débloque quelque chose qui était caché. The Wanderer's Diary. Plus de mélodies à la lanterne, plus de confrontations, des visages flous oubliés. C'est inutile pour faire face à la fin. Et on a ici une braise. Alors, c'est encore. L'étranger avait perdu un souvenir. Donc ça en est un avec les serpents à bouger. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un serpent ici qui fait deux. Il essayait de se remémorer, mais ne trouvait que du néant. Ok. Ici, si je fais ça comme ça, ça passe pas. Je peux faire ça comme ça. Mais je vais pas pouvoir du coup laisser partir ça. Donc, on fait passer celui-là. On fait passer celui-là. Celui-là fait pile poil 3. Et en haut, l'emplacement fait pile poil 3. Ici, il va falloir qu'on serpente. On serpente un peu mieux. On va peut-être pas pouvoir serpenter avec quelque chose qui fait 6. On ferait peut-être mieux de serpenter avec quelque chose qui fait 5. Quelque chose qui fait 5. Et que je vais pouvoir dégager comme ça un peu. Si je le mets comme ça. Je me coince. On va essayer de pas trop se coincer. Il faut que je puisse. Faire sortir celui-là. Et que celui-là puisse aller par là. Donc ça va être l'idée. On est pas mal. Faut juste du coup. Pouvoir faire passer celui-là là. J'ai l'impression d'avoir un peu foiré mon coup. Je dirais même complètement avoir foiré mon coup. Parce que il me manque un de mouvement. Il faut que je serpente. Ouais, c'est que là je serpente pas bien du tout.
cher serpent, il faut que tu serpentes comme ça. Mais si je te mets comme ça, je vais tout bloquer, je pense. C'est ça, j'ai bloqué l'autre. Voilà. Là, celui-là est débloqué. Mais du coup, je suis coincé sur celui-là. On dirait que... on va devoir... débloquer celui-là. Hop. L'idéal, ça serait que sa petite tête soit différemment. Il faudrait qu'il serpente. Il faudrait qu'il serpente. Perdu. Je suis pas du tout dedans, j'arrive pas à le faire serpenter comme il faut. Ouais, parce que il faut pas que je sois comme ça. Ah! Je veux que tu montes. Alors, ce qu'on veut, c'est que tu ailles comme ça, à serpenter, pour que celui-ci puisse passer. Maintenant, je me coince aussi comme ça. Réfléchis, Chobiti, réfléchis. On a un goulot d'étranglement ici. Ce qu'il me faut. Ce qu'il va me falloir, c'est ça. En attendant, est-ce que je peux pas le faire passer par ailleurs? Parce que le problème, c'est que le faire passer par là. Ça marche pas. Après, je peux faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Ah, je peux peut-être faire ça. Je m'embête peut-être à vouloir faire des choses qui ne marchent pas. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on serpente dans ce sens-là. Qu'on serpente un peu mieux. Est-ce que je peux serpenter un peu mieux en partant par là, par exemple? Non, l'autre côté. L'autre côté. En haut. Si je veux arriver là, il faut que je serpente. Tof, tof, tof. 1, 2, 1. Non, c'est effectivement pas possible avec un comme ça. Non, non, faut bien que je fasse passer celui-là de l'autre côté. Elle est bien là, l'astuce. Elle est bien là. Sauf que toi, pour te faire passer de l'autre côté, bah, tu finis par me bloquer. Tu m'embêtes. Voilà. Donc, on est sur quelque chose qui fait 5. On remet notre 3. Et du coup, ici, il faut qu'on serpente correctement. Pour serpenter correctement, on a juste un souci ici. Il faudrait que je vienne de là. On
va tirer un peu. Voilà, on a tiré suffisamment. Et on remet. Voilà. Seule la forme de la pensée lui revenait. On va pouvoir y aller. Je suis resté dans le nid trop longtemps. Mais non, tout va bien. Donc ici c'est fait. On a également récupéré une broche qu'on va pouvoir mettre là. Il n'y avait pas de manche pour la broche, donc Ember ne pouvait pas la tourner. Et on va donc mettre la broche dedans. Haha! On peut ouvrir ici. Ça nous ouvre un nouveau passage. Donc ici, on est à 3 sur 7. Il nous manque encore 4 braises. Alors, qu'a-t-on par ici? Une forme énorme et terrifiante rampa hors des ténèbres. Le corps du serpent se sera autour de la presse mélancolique, comme un bouclier d'écaille. Ok. Donc on a un petit ponton. On peut le mettre là, grimper dessus. Ok, on peut pas le déplacer celui-là quand on est dessus. Voilà. Hop, on le fait tourner. Dans une clairière oubliée, je rencontre un étranger. Mais il ne répond pas. Il ne bouge pas. Son corps est rocailleux et froid. Que s'est-il passé? Ah, sa première rencontre avec une braise mélancolique. Hop, tourne mon cher. Tourne. Veux-tu bien tourner? Tu ne sers à rien si tu tournes pas. Voilà. Et ça nous libère un chemin par là. On va y aller tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un escalier, on a une petite roue. On a un cristal. Le cristal semblait amovible, mais les poignées étaient rétractées. On a un petit bonhomme à venir chercher. Je sais pas où je vais le mettre, je vais le poser là. On a ce qui ressemble à un petit miroir qu'on pourrait mettre là.
Et ça semble effectivement pas mal comme idée. Et ce qui semble également pas mal, c'est de faire passer cette lumière à travers. Donc ici, je peux descendre. Voilà, je te pose là. Mais je ne peux rien faire de plus. On va donc aller voir la roue. Qu'est-ce que tu nous permets de faire, chère roue ? Exactement ce qu'on voulait. Déjà, parce que il y a un coffre. J'en trouve un autre piégé dans la pierre. Je ressens ces murmures qui passent sous ma peau. C'est une braise mélancolique. Elle n'a pas de foyer. C'est terrifiant. Et on met notre chose, notre petite statue ici. Donc, la même punition dans l'autre sens. On a vu qu'on avait un petit escalier pour descendre. Et il y a une petite niche ici qui semble parfaite. Ce qui va nous permettre d'atteindre la braise. Ok, donc c'en est un avec les miroirs. Le cœur de l'étranger était tout noué. Et je me souviens de toi, je me souviens pas de tout, mais je me souviens de toi, mon cher. Je me souviens qu'il faut qu'on ait ces miroirs-là par là. Et qu'on puisse s'en sortir par ici. Voilà. Le soleil n'était plus qu'un vague souvenir. Ici, on a des miroirs qui sont des pièges. Tu m'as aidé à me souvenir, l'ami. La lumière. Il semblerait qu'on ait donc fini ici et qu'on puisse retourner à côté. Et effectivement, on a notre soleil. Et on voit notre serpent qui bouge. Ce n'est pas rassurant. Alors, où est-ce qu'on peut le caler? Ici, on peut pas. On peut ici. C'est bien foutu. Ça va directement sur celui-là, donc on va... Hop. La lumière agissait comme un feu de signal, éloignant le serpent de la braise mélancolique. Amber prit son courage à deux mains, même si elle s'en sentait minuscule face à ce serpent énorme. La braise mélancolique fut libérée de l'emprise du serpent. On va pouvoir aller la chercher, du coup avec notre petit bateau.
se déplace avec la grâce du canard. Et on va aller libérer cette petite braise. L'étranger avait été dérobé par une main blessée. Ok, donc c'est avec du feu. Ça, c'est probablement pas la meilleure des idées. Hop. Il avait brillé si fort, avec une telle intensité. Là, l'idée, c'est de pas se faire glacer. Alors, comment je peux ne pas me faire glacer? Voilà, comme ça. On monte. Avec le vacillement et les cendres, sa flamme s'était éteinte. Je te remets sur le côté pour pas que tu me gênes. J'avais oublié la sensation de chaleur qu'on ressent lorsqu'on est en vie. Et on va repasser à côté de ce serpent gigantesque qui nous fait peur. Mais il paraît qu'il n'est pas si méchant que ça. Et que tout ce qui l'intéresse, c'est la lumière. Du coup, on peut revenir au campement. On est à 5 sur 7, donc il nous manque encore 2 braises. On va reprendre notre bateau pour aller au seul endroit où on n'est pas déjà allé. Puisqu'on a essayé d'y aller et que ça s'est soldé en tentative, en échec. Notre tentative s'est transformée en échec. Mais maintenant, on a notre super canard vert. Merci les mécènes. Et on devrait pouvoir tout affronter avec. Donc il n'y a pas de ponton ici. On a une lumière. Et on a un ponton ici. Et bien évidemment, on a le retour du serpent. Une forme énorme et terrifiante rampa hors des ténèbres. Le corps du serpent se serra autour de la braise mélancolique, comme un bouclier d'écaille. Donc, même punition que tout à l'heure, il va falloir réussir à libérer la braise. Ici, on détache l'échelle et on grimpe. On a un miroir, on ne peut pas y toucher. On a un levier.
C'est plutôt pas mal. Et on a ici une petite grotte qu'on va aller voir tout de suite. Et ça sera la dernière chose qu'on fera dans cet épisode. Ici on voit, on avait le petit symbole qui nous disait qu'on pouvait agir. Voilà. On trouve donc un bout de journal. Les braises mélancoliques sont entrées dans mes rêves. Je ne peux échapper à leur voix accusatrice. Là, il commence à avoir des remords et à être hanté par des cauchemars. Le vagabond, ça ne sent pas très bon. En tout cas pour lui. Et on va faire cette dernière braise. Et ensuite on s'arrêtera là. L'étranger était si perdu. Alors, on a des miroirs. Ah ok, ils sont indépendants. Je peux caler celui-là là. Je vais pouvoir faire ce genre de choses. Utiliser ça pour changer le sens de mes miroirs. Du coup, je vais faire passer l'autre, histoire de le dégager. On va pouvoir le mettre par ici, sauf que ça m'arrange pas par ici en fait. Qu'est-ce qui va m'arranger comme sens ? Tourner celui-là également. On va y aller. Voilà, ce sens-là me range déjà plus pour celui-là. Et celui-là va parfaitement ici. Recroquevillé dans un coin, perdu à jamais. J'ai essayé de rentrer, mais je ne suis arrivé nulle part. J'imagine que c'est le moment d'aller de l'avant. Et du coup, eh bien, si vous savez compter, il va nous rester une seule braise mélancolique pour cette zone. C'est celle avec ce serpent qui nous embête. Ici, on aperçoit un coffre. On ne peut pas l'atteindre. Mais tout ça, ce sera pour le prochain épisode. Qui devrait être normalement le dernier. Je ne vous le cache pas. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et j'espère que vous l'appréciez également. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!